mais... Allez, Judy, viens te servir. Eh, j'ai même un peu de chocolat en dessert. Du chocolat? Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan? Je me suis battu. Et sans Judy, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça. Ils étaient quatre contre nous. Judy leur a botté le cul. Tu connais ces gars? Ouais, je les ai déjà vus. Ces gosses, ils viennent là pour tabasser du clodo. Ils se filment avec leur téléphone. J'imagine qu'ils font ça pour la frime. Ils font les malins devant leurs potes. Sacrée bande d'enfoirés. Ils m'ont eu un jour. Je m'en suis toujours parmi. Vous êtes là depuis longtemps? Bah, j'ai trouvé le pont il y a environ 6 mois. Je suis tombé sur Walter. Jimmy est arrivé. Tuesday est ici depuis quoi? 3 semaines? J'ai peur de foutre une sale ambiance en parlant du bébé. Walter? Comment t'es arrivé ici? Ben, j'étais prof dans un lycée. Jusqu'à ce que je puisse plus rembourser mon prêt, j'ai perdu ma maison, mon job, tous mes amis. Et je me suis retrouvé dans ce cul-de-sac. Savoir que c'est assez horrible parce que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Jimmy? Est-ce que ça va? J'ai froid. J'ai vraiment trop froid. La drogue. Et toi alors, Judy? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue? J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Je sais que ça va paraître très étrange, mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Judy. Comment ça? Sincère. On va être sincère. Depuis ma naissance, je suis liée à une entité. Il s'appelle Aiden et... il me quitte jamais. D'ailleurs, il est là. Je dirais que Jimmy n'est pas le seul à avoir un problème de calme. Faut que je bouge impérativement ou je peux attendre et il va se passer quelque chose? J'ai bougé, hein. J'ai craqué face à cette pression. Pas trop, je vois 3 points donc. Pauvre Jimmy. Ah d'accord, faut soigner ses mal. Il est vraiment pas en forme. Il va aller beaucoup mieux, vous inquiétez pas, j'ai fait 2 ans de médecine. J'ai plus mal. Comment t'as fait ça? Ok, attendez, il y a quelque chose à faire. Ah, c'est encore se réchauffer. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Oh la vache! D'accord. On va l'amener à ma tête.
Jody, ça va ? Stan, mon amour. Oh, Jody, arrête, c'est pas drôle. Ça fait tellement longtemps, Stan. 4 longues années. Nancy. Nancy, c'est... C'est bien toi ? C'est bien moi, mon amour. Je ne suis pas partie. Je suis restée près de toi tout ce temps. C'est pas vrai. Ça me brise le cœur de te voir aussi seule, aussi désespérée. C'est dur, Nancy. C'est trop dur. Je me sens tellement vide sans toi, mon amour. Tellement vide. Arrête de vivre dans le passé, Stan. Rien ne changera ce qu'on a vécu tous les deux. Mais maintenant, tu dois reprendre ta vie, trouver du travail, tomber amoureux et réapprendre à vivre. Pour moi, Stan. Fais-le pour moi. Qu'est-ce que tu me manques ? T'imagines pas à quel point tu me manques ? C'est un miracle. Ouais, un putain de miracle. Jody. Merci. Ok. Encore besoin d'aide quelque part. Bon, toujours aussi touchant, évidemment, hein, vous vous en doutez, les gars. Tuesday ? Est-ce que... Elle a des contractions. Il faut une ambulance ! Il nous faut carrément un hôpital ! Non ! Non ! Non, pas l'hôpital ! Ah ! Ils vont prendre mon bébé ! Non ! Personne ne prendra mon bébé ! Réfléchis une seconde, ma fille ! Mais on n'a rien ici ! Oh, on n'a pas de couverture, d'eau chaude ! On a que dalle! Mon bébé! Non, je veux pas que mon bébé meure! Oh, oh, oh. Attends, calme-toi. On va trouver un truc. Ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Allez, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Jody, suis-moi. On va chercher tout ce qu'il nous faut. Et toi? Tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok ? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller. Moi, je te la fais accoucher vite fait, moi. Hein. Avec Aiden, un petit coup là où je pense. Ok. On est parti. On peut pas courir. Eh bien, Jody. Ah si, je crois que j'ai trouvé, non ? Ah non. Non, je pensais qu'on a pu... Qu'est-ce qu'on va faire ? Sur un, mais non, c'est automatique. Tu connais un docteur ? Non. De toute façon, on n'a pas d'argent pour s'en payer un. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute. Je veux que ce bébé ait une chance, même une toute petite chance, de s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il ait chaud et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects, comme tous les autres êtres humains. Pas question qu'il naisse dans les ordures sous un pont. Ok, c'est quoi ton plan ? J'en ai pas. Allez, on y va. Allez. Ok. Il veut cambrioler, je crois. Je crois qu'il veut cambrioler le supermarché. Ok, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il faut juste qu'on entre. Oh, bordel ! Il y a bien un moyen. Il y a forcément un moyen. Ouais, je m'en occupe. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Fais-moi confiance.
Ok. Hop, on part de l'autre côté. Ok, ça sert à rien. Ah, les caméras déjà. Bien sûr. Ok, l'alarme est éteinte. Ça nous évitera des problèmes. C'est déjà pas mal. Ok. Y'a pas autre chose à faire au cas où. Peut-être là, non. Non. On a déjà éteint l'alarme. Ok. Je pense qu'on est bon. Et la porte est ouverte. Merde, mais comment t'as fait ça? Pas le temps de t'expliquer. Pas le temps de niaiser. On prend ce qu'il nous faut et on se tire. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ok, viens, on fout le camp. Allez. Ah, vous voilà. Venez vite. Elle a perdu les os. Vous êtes entré dans l'immeuble dont j'avais parlé? Ouais, t'arrêtes avec elle. Dépêchez-vous, faut y aller. Est-ce que faut pas fermer au passage, non? Non, je pense pas. Merde, j'ai pas fait gaffe, c'est quel bâtiment? Putain, on est pas bien. On est pas bien, j'ai pas vu où ils sont. Si, c'est par contre, ils sont partis à droite. Aucun problème. On va follow de ce pas. Ok. Pourquoi tu te méfies de ce qu'il y a derrière? C'est trop tard, t'es suffisamment loin, tu dis que c'est pas toi. Pourquoi tu fais gaffe derrière toi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est là. Allez. Non. Aiden, c'est chiant là. Problème de caméra, c'est relou. Suivez-moi! Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un bonus par ici par hasard là? Petit bonus sympa. Je crois qu'il y en a un. Attendez. Non. C'était un effet de lumière, très bien. C'est là que ça prend feu, hein, les gars. C'est ici, hein, la prédilection. Ça sent pas bon, mesdames et messieurs. Ça sent pas bon. On va passer par là. Juste attends, les gars. On dirait que ça devrait plus tarder, maintenant. On fait quoi? Si quelqu'un sait quoi faire? Sortez! Sortez tous! Sauf toi, Jody! Ah, je veux que Jody! Oh, les bâtards, ils sortent direct! Mais gros, t'as cru que j'ai accouché ou quoi? Tu sais que j'ai jamais fait un truc comme ça avant. Oh, je sais, moi non plus, mais je tenais pas à ce que les mecs restent plantés là à me regarder pendant que moi je suis en train de crever de douleur! Ok. Ok, t'en fais pas. T'en fais pas, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Ça doit pas être si compliqué. Tu peux rien faire, Aiden. Comment ça? Laisse-moi t'aider à enlever ça. Oui, parce que forcément, si tu gardes ton froc, ça va être assez compliqué. Qu'est-ce que c'est? On va le mettre dans un micro-ondes? De la chaleur. Il faut de la chaleur. Ok. Ça va être terrible! Ok, là, on a quoi? On va prendre ça. Ah, derrière, allez, c'est chiant. Quoi, j'ai des ciseaux? Allez, on coupe tout. Je vais recouvrir ce vieux matelas. On va réconforter. Accroche-toi. Ok, tu peux le faire. Allez, c'est rien.
T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je plonge, ok? À trois. Respire, ok? Respire, tu sais. Continue de respirer. Inspire. Voilà, respire, ma sœur. Parce que si tu respires pas, moi je respire pas. Respire. Mais je fais que ça, putain! Tu t'en sors bien. Ok, on va la rassurer, les gars. Calme-toi, je connais bien. J'ai déjà couché plusieurs femmes. Maintenant, faut pousser! Pousse! Pousse! Tu y es presque, ok? Je le vois! Je vois sa tête! Je vois sa tête! Allez, pousse! Pousse! Oh, t'as réussi, Tuesday! Hop! Pas un pet de sang! Il est impeccable! Bon, faut couper le cordon. Allez, on va éviter de faire le con. Mais attends, la meuf, elle va pas partir avec un cordon. Si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'était facile jusque-là, bébé. Mais on va s'en sortir. Toi et moi. Je te le promets. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Je vais chercher les autres. Elle est minuscule. C'est une fille. Je l'appelais Zoé. Merde alors. Elle est vraiment super belle. Hé, surveille ton langage, Walter. Je comprends tout ce que tu dis. Non, elle est plus que belle. Elle est magnifique. Je serais pas arrivée sans vous, les gars. Et sans Jody. Ok, nous voici dans la prédilection. Ça va être assez terrible. Évidemment, là, ça va être fermé. Non, c'est bon. C'est bon. Ok, la caméra, s'il vous plaît. Non, c'est chiant. Arrête, Jody. C'est relou. Stan, Stan, lève-toi. Où sont les autres? Walter est à cet étage. Jimmy, Tuesday et Zoé sont au-dessus. Ok, sors d'ici, je vais les chercher. Non, j'y vais avec toi. Non, j'y vais seul. Mais... Je t'ai dit de sortir d'ici. Ok, ça va être chaud, sa mère. Et ça, sans mauvais jeu de mots. Quoi? Aidez-moi!
Allez, casse-toi, file. Tuesday, bébé. Elles sont là-haut. Oh là là, elle fout la merde. Elle fout la merde, ça va être terrible. Pourquoi elle est allée là-haut, elle aussi, là? En plus, alors, il faut savoir que quand il y a un incident, les gars, j'ai été pompier, d'accord? Il faut toujours être le plus bas possible, parce que forcément, la fumée monte. Les inhalations toxiques se retrouvent en hauteur. Les gars, c'est un petit conseil que je peux vous donner. On sait jamais. Ok, c'est rien, c'est un petit truc. Ok. Aidez-moi! C'est bon, j'arrive! S'il vous plaît! Allez, Jimmy! Saute! Saute! Non! Non! Je peux pas le faire! Mais abuse si. Pas! Je peux pas le faire! Mais si. Allez, saute! Je peux pas bouger! On va devoir le forcer à bouger! Ok. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sors de là! Allez! Le bébé! Casse-toi! Récupérez le bébé! À côté! Je m'en occupe. Est-ce que je peux passer par la fenêtre par hasard? Le rebord? Ok, c'est bon. Ah oui, les gars, vous avez des bouteilles de propane, vous êtes, je suis pas au courant. Ah putain, faut appuyer plusieurs fois, je pensais qu'il fallait rester appuyé. Fais chier, c'est très trompeur leur touche. Et à quel moment t'appuies plusieurs fois sur L1 comme ça? Là maintenant faut rester appuyé. Ça sent la douille. Je sais pas si c'est bon d'aller dans le feu. On est bloqué. Tu vas devoir me faire confiance, ok? J'ai besoin d'aide tout de suite. Je m'en occupe. On est coincé. Oh non. Merde. Mon bébé. Merde. Réfléchis, Judy. Réfléchis. Allez. Je suis une machine, moi, mon pote. Ok. Dépêche. Johnny, est-ce que ça va? Continuez. Ouais, je suis au top. Ok, je suis au top. Sors d'ici. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Aller dans le trou peut-être, non? Non, pas du tout. Est-ce qu'on va pas monter pour redescendre par hasard? Non, là on peut pas. Ok, on va monter, les gars, bah écoutez. Comme on dit, monter plus haut pour redescendre plus bas. C'est bon. Ok, ça va aussi. Ça va aussi. Ah, là, je suis pas bien. Allez, go! Oh putain,
faut rester concentré. Johnny, j'en reviens pas, t'es vivante. Oh. Je sais pas du tout comment t'as fait ça, mais c'était incroyable. Zoé, comment va Zoé? Bien. Elle va bien. Mais comment l'incendie a démarré? C'est dingue, hein, les gars? Un peu d'essence, un briquet, les rats qui toussent le navire. Je déteste les fins joyeuses. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait plus, garce. Hey, hey, laissez-la tranquille. Calmez-vous, les cafards. Tu joues moins les héroïnes, hein? Non! Non! T'as eu ça, Ed? Ouais, mec, c'est dans la boîte. Ok, allez, on se taille. Salaud! Ma vie est nulle, hein. Je respire plus. Je respire plus. Non. C'est pas vrai. De l'oxygène. Il faut de l'oxygène. Merde. On va rentrer. Voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? Ok, on va te mettre ça. Ok, je vais. Voilà, t'as ta tête! Peut-être pas aller vers la lumière. Inutile, assisté. Tu ne me feras pas changer d'avis, tu t'aimes. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme ton Michou qui a des règles. Voilà. Tu ne pourras jamais. Je dis. Si tu te fasses à ce sujet, tu vas quitter. Qui toi? T'es qui, toi? Je veux qu'il échoue et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects, tout comme ça. Mais y'a des trucs que j'ai pas vécu. Si tu n'es pas d'accord, il suffit de le dire. Et je te rappelle. Les entités autour. Je suis morte. Ok. J'ai l'air d'être à l'hôpital, peut-être. Et les qui grésillent, c'est jamais bon. Ok. D'accord. Faut que je m'approche. Donc là, je peux pas payer Ben. Non, mon enfant, je vais la voir, juste une fois. Mais c'est ma petite fille, Mandela. J'ai changé d'avis. Je veux mon bébé. Assez la vite. Faites je veux la voir. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je veux mon enfant. Pitié, laissez-moi la voir. C'était qui, cette femme? Pourquoi est-ce que tu montres ça? C'est ma mère? Oui, je pensais à ça. Je pense que c'est ma mère. On va voir. Ah oui! Ah, c'est plus des petites failles, hein! Là, on arrête de déconner, les gars. C'est l'avenir, ça.
Aiden ? Ok, on va se réveiller. Ce serait déjà pas mal, un bon plan. D'accord. Allez, on est parti. On va descendre. Donc là, les gars, j'ai dû couper l'épisode, hein, parce que depuis qu'on est avec les SDF, bah j'ai pas arrêté, forcément. J'ai pas arrêté. Là, c'est un petit peu terrible, je sais pas du tout ce qui peut se passer. Est-ce qu'on a quelque chose ici, un bonus, quelque chose? Je sais pas. Non. Ok, chiottes de luxe, ça fait plaisir. Ils m'ont rasé, mais pour quelle occasion? Ah oui, forcément. Coup de batte de baseball dans la tête, ça picote. D'accord, rien d'intéressant. On se casse. Oui, c'est elle. Commotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. On peut la voir? Ça dépend. Vous êtes de la famille? On est de la CIA. Cette fille est recherchée pour trahison. Donc, on a un mandat d'arrêt, si c'est ce que vous voulez. Ok. Vous pouvez la voir. Ok, c'est parti les problèmes. On va peut-être passer par... la fenêtre, non? Ça me paraît pas mal. C'est pas la meilleure idée, je suis d'accord, je vous l'accorde. Allez! Alors, où est-ce qu'elle est? C'est bizarre, c'est sa chambre, elle devrait être ici. Merde. Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible, on est au cinquième, elle a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte, cette fille ne doit pas s'échapper. À savoir que normalement les hôpitaux sont équipés bien évidemment de fenêtres anti-suicide. Ah, je connais bien. Après, peut-être pas les hôpitaux américains, je ne sais pas les gars, là... Mais c'est vrai que la plupart des cliniques ou hôpitaux que dans lesquels j'ai pu rentrer, on peut pas ouvrir la fenêtre. Même les hôtels, on peut limite pas ouvrir la fenêtre. Madame ? Est-ce que ça va ? Madame ? Ah, mais c'est le frérot qui m'a recueilli ! Ok, on est retourné au commissariat, la toute première vidéo ! Sans abri terminé, c'était dingue ! C'était incroyablement dingue cette séance, ok. Vérité dite à Stan, comme 53% des gens. Argent gagné de façon honnête, comme 68% des gens. Assez d'argent... Ah, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont craqué face à la prostitution, 32% des gens. Assez d'argent, repas chaud, 91%. N'a pas aidé tout le monde après le dîner. Quoi? J'ai pas aidé tout le monde? D'accord, comme 63% des gens. A sauvé tout le monde du feu, comme 91%. Pas de tentative de suicide. J'ai pas fait de tentative comme 63% des gens. Voyou repoussé comme 96%. Sincère à propos d'Aiden comme 60%. N'a pas réussi à sortir du bâtiment. Ah non, quand c'est en bas... Je crois que quand c'est en bas, c'est que je l'ai pas fait. Parce que j'ai réussi à sortir du bâtiment. Et sort des voyous ignorés. Comment ça, le sort des voyous ignorés?
Comment ça, j'ai ignoré leur sort? Je m'en battais les couilles, c'est vrai, mais... Bon, bah quoi qu'il arrive, on va s'arrêter là, n'oubliez pas les j'aime et les commentaires, évidemment, à chaque épisode, ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao, tout le monde.